Un soleil radieux signe que le printemps est bien arrivé. Mais à Saint-Augustin, dans la région de Québec, il est désormais interdit de se balader dans les parcs. Ben là, je pensais que je pouvais aller marcher avec mes crampons. On peut même pas marcher dehors, là? On peut marcher, mais on demande de pas aller au parc. Ah, bon, ben d'accord. Je vais marcher dans les rues. Le maire l'a constaté. Des centaines de personnes ont pris les sentiers d'assaut. Le risque de propagation du virus est trop grand. On veut pas non plus deux couples là, qui se mettent à quatre et qui marchent ensemble. Là. Il faut que les gens restent chez eux. C'est peut-être extrême, mais je pense pas qu'il y ait d'extrême prudence à avoir. Là. Je pense que c'est correct aussi. Là. On marche dans la rue à place, on marche sur nos terrains. Ce matin, je me disais, ben, il me reste toujours ça. Je pense que si on veut se garder sain, je pense que... T'sais, on va créer d'autres problèmes de santé. Là. Fait que... faut nous laisser. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient être faites. Les enfants, sinon, ils sont pas du monde. Si, on se promène pas, fait qu'on a comme pas le choix. Mais... Ailleurs au Québec, d'autres villes comme La Prairie, Candiac, Saint-Constant et Sainte-Catherine en Montérégie ont emboîté le pas. À Montréal, la mairesse Valérie Plante, elle aussi a annoncé la fermeture des aires de jeu. Ces modules peuvent être problématiques. Le virus pourrait survivre pendant des heures ou des jours sur certaines surfaces. Pour l'instant, on est à convaincre et non à contraindre. Ça vaut pour la consigne des parcs. Donc, on compte sur les Augustinois pour appliquer ces règles-là. Maintenant, on ne mettra pas de dispositifs de surveillance puis de mesures coercitives. Pas de contravention pour l'instant, sauf que des citoyens commencent à dénoncer les comportements qui vont à l'encontre des consignes. La nuit dernière, la police de la ville de Québec a interrompu une dizaine de rassemblements. La police est là pour faire une veille puis pour informer la population. C'est des rares cas où ils utilisent la force pour arriver. C'est ce qu'on a connu avec les policiers. Il est encore permis de s'aérer les idées, mais seul, autant que possible. Ici Pierre-Alexandre Bauduc, Radio-Canada, Québec.